à tous et bienvenue sur Carter et Piston. Eh bien, Dr Grimm is back et ça fait du bien. On va se voir quelques fois cet hiver pour des essais sportifs et j'en suis ravi. Donc nous sommes ici pour la présentation de cette très belle moto qui est la Speed Triple en version RR et qui est en présentation mondiale aujourd'hui. Alors ce matin, on a fait pas mal de routes. On est du côté de Ronda, donc alors, pour les experts, ils savent que la fameuse route de Ronda est assez mythique et tout le monde veut la faire. Et on l'a fait plusieurs fois ce matin, ce qui est assez agréable. Moi, ça faisait quelques temps que je ne l'avais pas faite. Et donc, on a pu déjà prendre en considération pas mal de changements sur cette moto. Alors, qu'est-ce qui est bon de dire à propos de la Speed Triple RR? Ben écoutez, d'abord, je dirais que le principal, c'est surtout que cette Speed Triple RR est tout simplement basée sur la Speed Triple RS que nous avons essayé il y a quelques mois. Et donc, au niveau moteur, par exemple, c'est exactement la même configuration. On est toujours sur 180 chevaux, on est exactement, il n'y a pas eu la moindre modification moteur pour l'adaptation en RR. Moi, je trouve que c'est une très bonne idée, étant donné que, bon, ben, il y a déjà beaucoup de puissance. J'avais peur qu'ils essayent d'aller en chercher un peu plus et qu'on perde de l'agrément à moyen et bas régime, mais ce n'est pas du tout le cas. Ce moteur est toujours assez agréable, c'est toujours un 3 cylindres qui fonctionne bien. Alors bon, moi je connais les 3 cylindres depuis vraiment longtemps, j'ai eu une Speed Triple en 2002 et donc je suis ce modèle depuis des années et des années, je les ai toutes essayées. Et c'est vrai que cette évolution moteur est intéressante et quand les chevaux arrivent, je peux vous assurer que les 180 chevaux sont bien là et ils sont durs à contrôler parfois sur circuit, enfin je veux dire c'est physique. Alors qu'est-ce qu'on peut constater sur cette moto? Alors, c'est vrai qu'il y a quand même quelques changements par rapport à la Speed Triple RS. Et les changements sont bien évidemment au niveau de la tête de fourche, qui est très réussie, qui est un petit peu old style. Enfin, moi, je la trouve très jolie. C'est néo-rétro, c'est dans l'air du temps. Moi, j'aime beaucoup. Ils ne sont pas tombés dans le besoin de vouloir en faire trop, de faire trop sportif ou de rejoindre un petit peu tout ce qui se fait actuellement. Je trouve que cette moto sort de l'ordinaire. Donc cette tête de fourche est très réussie. En même temps, elle est super légère parce qu'en fait, de là où vous êtes, vous ne pouvez pas le voir, mais en fait, c'est rempli de carbone. Il y a du carbone partout sur cette moto. Et donc, ils ont intégré le phare. Enfin voilà, c'est vraiment magnifique. Et moi, je trouve que c'est très réussi. Alors évidemment, pour passer dans cette version sportive, alors sportive, est-ce que c'est une sportive? Oui. Je dirais que c'est plutôt un café racer au final. C'est plutôt une version café racer de la Speed Triple RS et donc forcément on a des guidons bracelets qui sont à poser ici et franchement quand on voit comment on a installé sur la moto c'est vraiment pas extrême, on n'est pas avec les poignets cassés, donc tous ceux qui ont peur de se dire ouh, la moto est belle mais on va être cassé en deux, franchement je vous rassure, on est bien, c'est pas extrême, c'est tout à fait raisonnable et c'est plutôt confortable. Alors l'autre gros changement par rapport à la Speed Triple RS, c'est que Triumph a fait appel à Ohlins pour les suspensions de A à Z. Donc vous avez une fourche Ohlins, vous avez un amortisseur Ohlins et tout est contrôlé électroniquement. Donc c'est forcément ces fameuses fourches adaptatives qui réagissent en temps réel. Et donc ça c'est un gros plus au niveau du confort sur la route. Bon personnellement j'ai trouvé que les settings sur les modes route et mode confort et autres est un peu trop souple, donc bonne nouvelle, on peut dans le menu avoir accès directement au réglage des suspensions. Bon, moi j'ai raffermi un peu plus, bon, bah, soyons clairs, ça a convenu à la majorité. Bon, moi avec mon style de pilotage, bah, j'ai préféré quelque chose d'un petit peu plus dur et donc j'ai rajouté deux clics à l'arrière, à l'avant. Et alors il y a aussi moyen de gérer ce qu'ils appellent le support au freinage. Et donc ça veut dire aussi non seulement freiner la plongée, mais aussi freiner la remontée de l'arrière pour que le freinage soit plus, que tout soit plus rigide et qu'il y ait moins de transfert pour pouvoir freiner fort. Bon, au niveau de l'équipement en général, bon, je dirais que chez Triumph, on est toujours sur quelque chose quand même qui a vraiment de la gueule. Moi, j'aime vraiment beaucoup Triumph. On n'arrête pas de se le dire et on se le répète tout le temps avec mes collègues journalistes. C'est que le niveau de finition de Triumph actuellement est sans doute un cran au-dessus de tout le marché. C'est très simple. Ils font des choses. Il suffit de voir, et vous le verrez certainement dans les détails des photos, mais il suffit de voir le niveau de finition
par là où passent les câbles, c'est léché, c'est vraiment incroyable. Ici, les câbles, je vais dire, de la gestion des suspensions sont parfaitement intégrés, ils arrivent dans un petit boîtier. Ici, vous avez le câble de toute la poignée électronique, plutôt de passer à l'extérieur, elle passe à travers le guidon. Le niveau de finition est vraiment fantastique, la moto est très classe. Les coloris qui ont été utilisés, la manière dont elle a été peinte, moi je trouve que cette moto est tout simplement magnifique. Comme je le disais tantôt, bon ben c'est vrai que la moto est un peu bourrée de carbone, il y en a sur le garde-boue avant, vous en avez sur les flancs de radiateur, vous en avez dans la bulle, vous en avez sur les flancs ici. Bon, le niveau de finition est vraiment complètement dingue et la moto est vraiment belle. Au niveau du châssis, ben c'est exactement le même que la Speed Triple RS, donc on a les mêmes qualités de châssis, je peux vous assurer qu'elles sont vraiment au top. On vient de faire 3 sessions sur le circuit d'Ascari ici, et ces 3 sessions étaient intéressantes, même si très compliquées, parce que même si ça n'a pas l'air, alors là malheureusement on a quelques nuages, mais on a eu la chance d'avoir du soleil toute la journée, et je dois avouer qu'en 3 sessions, en général, je me fais toujours, je ne vais pas dire une frayeur, mais en général, j'ai toujours une petite paire de l'avant ou une petite paire de l'arrière. J'ai toujours un petit truc un petit peu alarmant. Eh bien, là, rien du tout. Bon, le circuit est vraiment intéressant. Alors, c'est un circuit qui fait 26 virages. Je dois avouer que des circuits, j'en ai fait et partout dans le monde. Mais alors, celui-là, il y a vraiment beaucoup de virages et c'est très, très, très varié. Il y a des longs, des courts, des petits, il y a du dénivelé. C'est vraiment un très très beau circuit. Bah, quand on laisse parler la cavalerie et que les 180 chevaux arrivent, bah, clairement ça pousse et je peux vous assurer que pour se faire plaisir sur circuit de temps en temps, c'est vraiment un bel outil, c'est un beau joujou. Et pour ceux qui veulent vraiment un petit peu conjuguer route et de temps en temps une petite sortie circuit, cette Speed Triple RR est vraiment là pour combler. Alors bon, par contre sur circuit avec la Speed Triple RS, là forcément on en prend plein la quiche, il n'y a pas de bulle, et donc sur circuit c'est quand même un peu chaud, surtout sur des circuits rapides comme ici. Et donc ici la bulle, même si elle est relativement fine et étroite, eh bien quand on se met dans la bulle on est bien protégé, et donc la protection est vraiment pas mal. Bon, au niveau des modes, des différents modes, bon, mais c'est comme la RS, donc il y a le mode road, il y a un mode pluie, il y a un mode sport, et puis vous avez un mode race, et puis il y a encore un mode rider qui est en fait un mode entièrement paramétrable, et donc c'est ce qui se fait de mieux, je dirais, en paramétrage et tout ça. Alors au niveau traction control et ABS, bon, ben une fois de plus, ça c'est encore une bonne nouvelle. Bon, moi j'ai régulièrement des problèmes avec les motos qui ont des ABS parce que souvent, quand je maltraite la moto et que je freine vraiment fort, eh bien les ABS se déclenchent, et ici pas la moindre amorce d'ABS, rien de tout ça, pas la moindre glisse. Bon, alors on a eu la chance d'avoir des pneus Pirelli version SP sur la route ce matin, et là on est sur du Super Corsa SC2 avant-arrière pour le circuit. Et bon, évidemment ça c'est vraiment génial, d'autant plus que les motos avaient été chauffées avec des couvertures chauffantes, et donc on a eu droit à un essai circuit vraiment agréable et convaincant dans les meilleures conditions malgré le froid. Toujours au niveau des finitions et du look, bon ben enfin voilà, je vous laisse juger par vous-même, mais je trouve que vraiment ils font fort, à savoir que le train avant avec la fourche Ohlins, avec les fameux étriers Stilemat chez Brembo qui freinent d'une manière exceptionnelle. Je trouve que le pot, l'échappement de cette moto est quand même vachement bien intégré. Moi, je trouve qu'il y a tellement de motos qui sortent avec des échappements qu'on va considérer comme laids. Ici, le pot d'échappement, je le trouve superbe. On a toujours ce fameux bras oscillant qui est un peu la marque de fabrique de ces fameuses Speed Triple, puisque ça fait plus de 20 ans que le monobras est installé sur cette moto, et ça donne toujours un somptueux look à cette moto de style. Qui plaira à beaucoup et qui, je peux vous l'assurer, est vraiment très convaincante. Bon, eh bien, je vous laisse. Merci beaucoup de votre écoute. À très bientôt encore sur Carter et Piston. Et gaffe sur la route.